había visto yo un día cuando vino a tomar y pan, and then more coming down. Leaving you all to send them to centers in Paris and other places. I feel that this year has not been very good for such a week. There has not been much progress as it should have been. I don't know why, but it is always to be understood that when the yoga does not expand, there's some sort of a negativity in the soul. Because all the nature, everything works out for you. As soon as you change, the whole atmosphere changes. And you get a big response from us. I'll give you an example of England now. England, we had one lady, as you know, Robin Swan, was very negative. And since she's gone away, England has taken such a big stride. You'll be amazed. They're very different people altogether. This time I saw them in Birmingham, I was amazed at their collectivity, their responsibility, their understanding of Sahaja Yoga. It's amazed, absolutely amazed. And that's what I feel, if there is negativity within us, then the things do not work. So the first thing is to get the blessing and the grace of your mind. And that is important, because you must learn to surrender and to progress in your asset. Can you say this? No, I can't hear you. You all understand English? No, I don't. Je m'attendais à dire que cette année pour Sahaja Yoga a été décevante pour les Français. Parce que si normalement le Sahaja Yoga ne se développe pas avec les Français, et normalement, si il y a, si vous-même vous vous développez, l'univers entier, toutes les énergies de l'univers sont travaillent avec vous. Retour vers Apraya, c'est cela, c'est le fait que tout se met en harmonie pour travailler avec vous. Donc s'il n'y a pas de progrès, c'est que... s'il n'y a pas de progrès autour de vous, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez les Sahaja Yogis eux-mêmes. So, you have to discipline yourself. La première chose, c'est que vous devez vous discipliner dans Sahaja Yoga. That is, you must get up in the morning, meditate in the morning time, pay full attention to your Sahaja Yoga feet, that you relate everything to something. Les premières choses, c'est qu'il faut vous lever le matin, méditer tous les jours, et que tous vos processus mentaux soient vus à la lumière de Sahaja Yoga, que tout ce que vous faites soit vu à la lumière de Sahaja Yoga. You should not be complacent. Ne soyez pas complaisant avec vous-même. Only worried about your comfort and your food. Toujours en train de penser à votre confort et à votre nourriture. But more worried about your meditation. Mais pensez plus à votre méditation. One case, as I told you about being Italian, that one person was meditating. Ce qui s'est passé en Angleterre, par exemple, c'est que depuis que Jane n'est plus en Angleterre, les choses se mettent en ordre. C'est-à-dire qu'une personne négative dans un pays peut tout mettre en désordre. So, the other thing is that you must understand
people who do not have jobs do not get the discipline of having a job. This is one of the surfaces of the world, that you can live without jobs. It's a curse, because you have lost the discipline. You should never give up a job if you have, at any cost. You must be in a job, must be doing something, or the dynamism goes away. You must have a regular habit, because you are already being ruined. L'autre chose, c'est que il faut qu'il y ait une régularité. Il faut que les sages yogis travaillent. Parce que si vous n'avez pas de travail, votre discipline s'effrite. C'est destructeur pour vous de ne pas avoir de travail. Et c'est un des malheurs de l'Occident qu'en fait les gens puissent exister sans avoir un travail. Now in England I gave a nice lecture about children also. Now, if some women have children, they have a habit of using that as a pretext, not to mix with others. They just take the child inside, sit inside, don't mix up with other people, just become uncollected. And they think that's what really their job is. En Angleterre, j'ai aussi parlé au sujet des enfants. Ce qui se passe quelquefois, c'est que quand une femme a un enfant, elle utilise l'enfant comme une excuse pour ne plus être collective, ne plus être avec les autres. Elle prend l'enfant dans leur chambre et elle reste avec l'enfant. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Now, so in England, of course it's not here. If you have your own house, if you have a little baby, then you have to sweep and shop and cook and shop and do all the things alone. You cannot just sit in the room saying, but this is my joy, I'm looking after the child. Si, que ce soit en Angleterre ou en France, ou dans n'importe quel pays, si vous habitez votre propre maison et vous avez un enfant, eh bien vous êtes obligé de laver, de nettoyer, de faire ménage, la cuisine, la vaisselle, et de vous occuper de l'enfant en même temps. Vous ne pouvez pas simplement aller dans votre chambre, rester avec le bébé, s'occuper seulement du bébé. But this lecture that I gave you, I hope you get the taste to listen to. That too much cuddling of the child, all the time caring of the child, just saying this is my child, is an absurd thing. Because that's how the children take the parents here. Because they get bored with their parents. Et donc j'ai donné cette conférence en Angleterre. J'espère que vous pourrez en écouter la cassette rapidement. Parce que en fait les enfants, si on est tout le temps en train de câliner, de caresser, d'avoir les enfants dans les bras, de dire ça c'est mon enfant, etc., c'est comme ça qu'à la fin l'enfant vous déteste, parce que il en a assez, il est complètement saturé de votre présence, il est trop. In England, we had an experience that the one child born in a shelter, and the people spoiled him completely, so much so that he became like a mad man, actually like a very criminal idea. En Angleterre, nous avons eu l'exemple d'un enfant qui était né à Chelsham Road, et les parents l'ont tellement gâté, pourri, que cet enfant est devenu impossible, et il avait vraiment des tendances criminelles. So we have to understand that we are sadhu beings and we must have discrimination. Our hamsa must be good. Donc nous devons comprendre que nous sommes des sages yogis. Nous devons avoir le sens du discernement. Il faut que notre hamsa soit bon. And to get the hamsa right, you know that you have to put ghee in your nose every day. Et pour que votre hamsa soit clair, il faut que vous mettiez du ghee, c'est-à-dire du beurre clarifié, dans votre nez tous les jours. There should be a regular schedule, regular programming in an ashram. Il faut qu'il y ait un horaire régulier, un ordre des choses régulier dans un ashram. And they should work out that, and you must listen to somebody who tells you what is to be done. Et il faut que les choses soient de telle sorte que quand quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose à faire, il faut que vous l'écoutiez. I mean, to produce a child is nothing great. What is so great?
Produire un enfant, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça peut avoir d'extraordinaire? And that should not be an excuse for a man or a woman to get out of the collectivity and try to build up their own side. Et il ne faut pas que ça soit une excuse pour un homme ou pour une femme pour se mettre en marge de la collectivité et pour avoir son petit style à lui. So the children themselves will destroy and you will lose your vibration. Parce que dans ce cas-là, l'enfant sera gâté au sens littéral du terme et so, vous perdrez vos vibrations. So the blessing of a realized soul will turn out to be a curse. De telle sorte que les bénédictions d'une âme réalisée deviendront un mauvais sort qu'on vous jette. Now, whatever I'm saying today, I have to say. I don't like to say, but I have to say, because the French must know why we are not growing. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça ne me plaît pas de vous le dire, mais il faut que je vous le dise. Parce qu'il faut que les Français grandissent. The child must be given to other people, to sleep with, to play with, without any reservation. L'enfant doit être laissé à d'autres pour qu'il joue, pour qu'il dorme avec quelqu'un d'autre et qu'il n'y ait pas de réserve là-dessus. Do you know, in India, it is bad manner to say this is my child. En Inde, vous savez, c'est considéré comme de très mauvaise manière de dire ça, c'est mon enfant. And also to carry your own child in the presence of others in bad manners. Et aussi de prendre un enfant dans les bras. De toujours garder votre enfant dans les bras. So that they understand the collective. De façon à ce que tout le monde puisse comprendre la collectivité et l'enfant aussi. The children must be told about Swaha Yoga. They must be shown my photographs. I've seen some children when they see me, they don't even recognize. It's very surprising, Swaha Yoga. Il faut que l'enfant, qu'on lui parle de Swaha Yoga. Il faut qu'il voit la photo de Shri Mataji. J'étais très surprise de constater que certains enfants ne reconnaissaient même pas ma photo, ne me reconnaissaient pas. So that you, when you become the sibling proper Sanjogi, you get ideas how to spread up. Now we were working today on how to establish Sanjoga on a grand scale here. With Remo, I was talking what he has to do, going to Ambo, and what he has to talk to Ambo. And Patrick also, I'll brief him so that you make use of him, get some dignitaries and all. But first of all, you should not be complacent people. Just enjoying the comfort of a house, living very happily here. That's the wrong thing. Mais il faut que vous ayez la discipline pour que Swaha Yoga se développe. Aujourd'hui, je parlais de la façon dont on pourrait développer Swaha Yoga, donc des directions à prendre, des gens à contacter. Mais pour contacter ces gens-là, il faut que vous ayez un style, une discipline. Et il ne faut pas que vous restiez simplement dans de votre belle maison bien confortable en remerciant le ciel de vous avoir donné une si belle maison. Now, one of the impressions Indians have about French, that they are very food-oriented and fussy about food. L'une des impressions que les Indiens ont sur les Français, c'est qu'ils pensent beaucoup à la nourriture et qu'ils font aussi beaucoup d'histoires au sujet de la nourriture. And they are very, you see, they have, feel hungry very fast. They say, I'm hungry. Et qu'ils ont très vite faim. And they want their timing very correct. Et qu'ils veulent que leur repas soit servi bien à l'heure. But do you know, your mother is now 60 years of age. Mais vous savez, votre mère, elle a maintenant 63 ans. And sometimes I have my food at 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock in the night. Et quelquefois, the whole day. Et quelquefois, je dîne à minuit, 1h ou 2h du matin. Et quelquefois, c'est le seul repas que j'ai fait de la journée. And sometimes I don't have food for the whole day.
Et quelquefois, je ne mange pas du tout toute la journée. And if you ask me what did you eat in the morning, I won't be able to tell you because I just don't know if I've eaten or not eaten. Et si vous me demandez ce que j'ai mangé le matin au petit déjeuner, je ne serai pas capable de vous le dire parce que je ne me souviens plus si j'ai mangé ou pas. For example, this morning they asked me, did you have your breakfast? I said, I had my breakfast. Ce matin, par exemple, on m'a demandé, mère, est-ce que vous voulez votre petit déjeuner? Et j'ai dit, mais j'ai déjà mangé mon petit déjeuner. They have to tell me that you have to eat, mother, now. I've never asked you to have breakfast for me. Have I? Today also. You have to tell me that it's time for me to have some lunch. Et il faut que ce soit les gens qui me rappellent, qui me disent, maintenant, mère, c'est l'heure de déjeuner. Parce que sinon, moi, je ne demande pas et je n'y pense pas. Aujourd'hui, il a fallu qu'on me dise, bon, mère, c'est l'heure qu'on aille manger quelque chose. So every country has its own speciality. Tous les pays ont leur petite spécialité. And that becomes subtler when you become a country. Et ces petites spécialités deviennent plus subtiles quand vous devenez sage yogi. Apart from that, you see, we have some other speciality for French. That was before Sahaja Yoga, but after Sahaja Yoga, I'm very happy that you are coming, overcome. À part cela, il y avait certains problèmes bien français que vous aviez avant Sahaja Yoga et que heureusement vous avez surmonté. And that you are now sanity of man's life. And you are leading a not a hypocritical life anymore. Et que maintenant vous vivez dans la sainteté du mariage et que vous ne vivez plus une existence hypocrite. And that now you are not indulging into secretive nonsensical stuff which gives you problems. Et que vous ne vous permettez plus toutes sortes de comportements cachés qui vous posent toutes sortes de problèmes. So, I would suggest that to reduce the food orientation, you must fast or do something like that to reduce this orientation, which is a very subtle thing in the mind of the French. You think French cuisine would be all that goes with it. So we must get rid of this town. It's too much. It is putting down our attention to something very gross. Donc je dirais que pour enlever l'attention de cette obsession de nourriture, vous devriez un petit peu jeûner ou quelque chose de cet ordre. It is not immoral to think about food. But it is not sahaj. Ce n'est pas immoral de penser à la nourriture, mais ce n'est pas sahaj. Et il faut que la langue ait moins d'importance pour vous. Les Français se disent toujours, ah, la cuisine française, etc. You see, I'm the example for them. For example, I don't know what is French cuisine. I don't know anything about fish part. But I cook very well myself. I'm very fast. Prenez-moi comme exemple. Je ne sais pas ce que c'est que la haute cuisine française, etc. Je n'y connais strictement rien, mais je fais très bien la cuisine et très vite. So now, what we have to have is a very concentrated effort. Alors maintenant, ce que nous devons avoir, c'est un effort concentré. To work on two chapters. One on the Muladhara and another on the Nadi. Et travailler sur deux chakras en particulier, le Muladhara et le Nadi. I'm coming for Guru Puja, that is for the Nadi. Je viens pour le Guru Puja, ça c'est pour le Nadi. And one of the qualities of the Nadi is that when you become the Guru, you become an ideal for us. Et l'une des qualités du Nadi, c'est que lorsque vous devenez le gourou, vous devenez un idéal pour les autres. You don't demand anything. You sacrifice everything that is possible. You don't get attached to anything. Vous n'exigez plus toutes sortes de choses. Vous donnez, vous abandonnez tout.
If you want to be a good guru, first of all, you should be the example. Vous êtes capable de sacrifier beaucoup de choses. Si vous voulez être un bon gourou, il faut que vous soyez capable d'être un exemple. And that is what is to be seen, that you face yourself up and find for yourself where are we left in our guru master. Et c'est là qu'il faut être capable de faire face à soi-même et de voir où on est, qu'est-ce qui nous manque dans notre maîtrise de gourou. That means you have to master yourself on the Navi. You have to be your own master. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez la maîtrise de vous-même au Navi Chakra, que vous soyez vraiment votre propre maître. But to be the master, you have to listen to others, regularize yourself, go into a tapasya, into a penance sort of thing. To master yourself, you have to work it out yourself. Mais pour être maître de vous-même, il faut que vous écoutiez les autres et il faut que vous imposiez certaines disciplines et certaines austérités. Il faut que vous vous preniez franchement en charge. For this Tuladhara, that's a very good state, and also Kavi is going to send a circular for people, or he might inform you how to improve the condition of Muladhara. Pour la Muladhara, il y a une excellente cassette à écouter. Et Gavin doit vous envoyer un texte écrit ou vous transmettre directement ce qu'il faut faire pour améliorer le Muladhara. So, you see, you first fix your Muladhara proper. But Muladhara can only come with the discipline of your mind. D'abord, établissez correctement votre Muladhara. Et établir le Muladhara ne vient que si vous avez... Vous vous donnez une discipline mentale. And that discipline of your mind can only be managed by you because you have to see your own mind, how it works. Et cette discipline du mental, elle ne peut être faite que par vous parce qu'il faut que vous voyez comment fonctionne votre mental. How it steers you from the path of ascent. Comment votre mental vous dissuade et vous digresse de votre chemin de progrès. It could be some relationship, might be the husband, might be the wife, might be the children, or might be some sadhogi forming into groups. Cela peut être votre mari, votre femme, vos enfants, ou des sadhogi qui forment des petits groupes. It could be anything. Ça peut être n'importe quoi. But whatever it is, you must stand out from it, detach completely, and see for yourself that it is detrimental to your group. Mais quoi que ce soit, il faut que vous soyez capable de vous en détacher et de regarder ce que c'est et de vous en débarrasser si c'est mauvais pour votre croissance. Now see, yesterday we had about 100 over 100 new people. Now they had never known about. They have never seen me. They just saw the photograph and they came. What? Vous voyez, hier, il devait y avoir au moins 100 personnes nouvelles qui sont venues. Why? Ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils ont vu ma photo et ils sont venus. Mais pourquoi? They had not even heard my name before, some of them. Certains n'avaient même jamais entendu mon nom auparavant. Well, why don't they come to your program when you are in? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas à vos programmes quand vous les organisez? What is the difference? Quelle est la différence? It's a calibre. C'est une question de calibre. I'm a tapaswini. I'm a yogini. Moi, je suis une tapaswini, une yogini. Quelqu'un qui est yogini et qui est capable de s'imposer de grandes autorités. See, Warren was traveling with me, he got sick. Warren voyageait avec moi. Et trois fois il est tombé malade. He was missing not even for half the time. Et and he got sick four times. Et il n'était même pas avec moi tout le temps. Et le rythme était tel qu'il est tombé malade quatre fois. But he did the maximum, I would say. Bon, je dirais que c'est vrai, il a fait le maximum. But everybody is in a relay race. You see, I'm the marathon.
Et tout le monde est dans la course. Tout le monde fait un certain type de course, mais moi je fais le marathon. Vous êtes dans la course de relais et moi je fais le marathon. Je n'arrête pas. In the month of July, I'll be going all over Europe. Jusqu'à la fin du mois de juillet, je vais aller partout en Europe, en Amérique. I cook in the house, I have to change my house, I have to sell my house, I have to build another house in India. With all that together, it's a yoga all the time. Je fais la cuisine à la maison, je suis en train de décorer une maison, je déménage, je fais construire une maison en Inde et je fais tout ça en même temps. C'est ça, c'est yoga. Only one thing, that the purest desire is in my being itself, that people should be saved. Seulement, il y a une chose, c'est qu'en moi, il y a le désir le plus pur que tous les gens soient sauvés. It's such an earnest desire that I don't see the comfort. I don't see any running away from it. Neither I see food, nothing. To me, the only desire is to save as many as possible at the same. C'est un désir tellement fort et tellement absolu que je ne vois pas les histoires de confort. Je ne pense pas à la nourriture, à tous les petits détails, seulement à ce que tous les gens soient sauvés, tous les gens de cette période présente soient sauvés. That is the primordial kundalini itself, because c'est la kundalini primordiale elle-même qui est devant vous. But what about your kundalini, the pure desire? Mais où est votre kundalini, le pur désir? The very wee bit strand has come up, which has given you only one side, a very wee bit, that you've got your realization. That's all. Il y a un petit filet de kundalini qui est passé et qui vous a donné un aspect et qui vous a donné un début de réalisation. C'est tout. But what about the rest of it, which is there? Potential within you which has to rise in you to feel absolutely, completely doing this job. Mais le reste alors, il faut que le reste s'éveille et vous remplisse totalement pour que vous fassiez ce travail. Now when we had fight for independence, everybody gave up their families, houses. My father went to jail twice for two years and we were a family of 11 children. En Inde, pour l'indépendance, les gens ont tout sacrifié, tout ce qu'ils avaient. Et mon père a été en prison deux fois, deux ans, et il s'était un père de 11 enfants. And we were rich, very, very rich people, but we had to live in hush, and we were in jail and trouble and torture. Nous étions une famille extrêmement riche, et nous avons été obligés d'aller vivre dans des cabanes. Nous avons été poursuivis, ennuyés, torturés. And my mother went to jail five times. Ma mère a été en prison cinq fois. But nobody minded it because it was such a purpose of getting independence. Mais personne ne s'en plaignait parce que il y avait ce but qui était l'indépendance. But this is a greater war where we have to get to the freedom of the soul. Mais ici, nous faisons une guerre autrement plus importante. Il s'agit de conquérir la liberté de l'âme. But what is the quality of such yogi? They are mediocre. Even some of them are just here to take advantage of the situation. That's all. Mais quelle est la qualité des sages yogi? En fait, ils sont médiocres. Certains même sont là uniquement pour tirer avantage pour eux-mêmes de sages yogi. We really need warriors. Nirmalites, we call them. Have you heard of the song they have made about Nirmalites? Nous avons besoin de guerriers, de Nirmalites. Est-ce que vous avez entendu le chant qui a été composé sur les Nirmalites? Now we have started to call ourselves as Nirmala Vishwadharma, means universal immaculate heritage.
Maintenant, nous avons commencé à nous appeler Nirmala Vishwadharma, c'est-à-dire la religion immaculée universelle. So to belong to that dharma is a word of this great religion of the spirit. Pour appartenir à ce dharma, à cette religion, c'est une guerre, c'est la guerre de l'esprit. We talk of the blessings of Sadhguru. How we got married, we have children, we are having a nice time, beautiful houses we got, God has been so kind and given us this and that. What about you? What have you given to Sadhguru? On parle des bénédictions de Sadhguru. Nous nous sommes mariés, nous avons des enfants, nous vivons dans des si belles maisons, les situations sont excellentes. Mais qu'est-ce que vous avez donné à Sadhguru? It has given us bliss, it has given us this. But what about you people coming up? Only what is needed in you is nothing but the inner personality to develop. C'est bien de compter ces bénédictions, mais il faut que vous vous développiez, il faut que vous vous éleviez. Et pour cela, il faut que votre personnalité intérieure profonde se développe. Each one of you can hold a meeting and can get the same kind of people I can get. Why not? Chacun d'entre vous a la capacité de faire un meeting, un programme, et d'avoir la même réalisation et la même réaction des gens que moi. Because you must also be knowledgeable about Sahaja Yoga. Are you knowledgeable? Parce qu'il faut aussi que vous ayez une bonne connaissance, une pleine connaissance de Sahaja Yoga. Est-ce que vous êtes capable de parler d'une façon cohérente de Sahaja Yoga? You are just drifting in the joy of Sahaja Yoga. But what about the knowledge? Vous êtes simplement en train de baigner et de dériver dans la béatitude de Sahaja Yoga. Mais où est la connaissance? Not beatitude. Bliss? It's a joy is different. Joy is moi and bliss is what I said joy. Because I thought beatitude I know what I said. Alright, doesn't matter. What I'm trying to say, that this is another temptation. C'est une autre tentation, ça se dérive dans la joie. You are capable of great ascents and great leadership. Vous êtes capable d'une grande ascension et de devenir de grands leaders. But I'm surprised that still you are not aware of what you have got. Mais je suis surprise de constater que vous n'êtes encore pas conscient de ce qui vous a été donné. You should really go on a rampage. In holidays, for example, you can take a bus, go around with a banner and all that, station yourself in a village, talk about Sahaja Yoga, hold a meeting there, arrange something, talk to people, go on spreading it. These are all holidays, you can work it out. Il faut que vous vous mettiez en route. Pour les vacances, par exemple, vous pouvez prendre un bus, mettre des bannières dessus, des disant Sahaja Yoga, et vous arrêtez dans un village, parler aux gens de Sahaja Yoga, faire un programme. Les gens vont faire ça en Angleterre. There's nothing to feel shy about. Et il n'y a rien, il n'y a pas de raison d'être intimidé à l'idée de faire ça. You have to carry the banners and you have to sing the songs. Il faut prendre des drapeaux, chanter les chants d'arabes. You have to go to the streets and do it. Allez dans la rue et allez-y, faites-le. I was in the, on Delhi station and the train was late for about 2 hours. J'étais à la gare de Delhi et le train était en retard pour à peu près 2 heures. And this lady knew I was Mataji, she stood before me and I did. Et une dame est venue qui savait que j'étais Mataji et elle s'est mise devant moi, les mains vers moi.
And then people asked and the world went round that this Bataji is on the platform. Alors les gens lui ont demandé ce qu'elle faisait et la nouvelle s'est propagée que Shri Mataji était sur le quai. And even the coolies, as they are, the people who take the luggage up, all of them lined up together, the officers and everything, and they all got their realization. On the platform. Tout le monde, les porteurs, les contrôleurs, les aiguilleurs, tous les gens, les voyageurs, tout le monde était sur le quai et ils ont tous eu leur réalisation. There were some villagers from Rajasthan who were traveling. They heard about me and they started singing the mother song. And they came down to get their realization. Des voyageurs du Rajasthan et ils ont entendu que j'étais là et ils se sont mis à chanter les chants à la louange de la mer et ils sont venus pour avoir leur réalisation. And we had one American lady with us and she was feeling very funny about it. Et il y avait une Américaine avec nous et elle se sentait très gênée de la situation. And she said that you were giving me a realization even to the coolie. Et elle m'a dit mais vous donniez la réalisation même au porteur. As if it is the right of the sophisticated or the Americans to have the realization. Comme si ça n'était que le droit des gens sophistiqués ou des Américains d'avoir leur réalisation. But I said one coolie of India is equal to thousands of coolies. Is that right? Alors je lui ai dit, un porteur indien est égal à un bon millier d'Américains. Not only Americans, even French. Pas seulement les Américains, mais les Français aussi. Even Indians, when they come to France, they become like you, I'm surprised. They become complacent like you. Même les Indiens, quand ils viennent habiter en France, instead of giving you greater force, now a tooth is coming, I hope he doesn't become food addicted or something like that. Sit down with his child. I hope he doesn't become like you. I hope so. Les Indiens deviennent. I don't know what is going to happen to you. I hope he's not mesmerized by you. Because I'm really surprised that there's no energy, there's no sort of a spirit to come. Work it out. Les Indiens prennent vos défauts. Au lieu de vous donner plus de force, ils deviennent comme vous. Et quand Abdul viendra en France, je me demande ce qui va lui arriver. J'espère qu'il ne va pas devenir comme vous, obsédé par la nourriture. Et gâter ses enfants et... It looks very selfish then. You see that people come for their own betterment, that's all. You don't think of others. There's no compassion, that forceful compassion that compels me at this age to travel like this. You must think of others who are drug addicts. Think that so many problems in this country. This is the hell of the world. Ici, je ne sens pas cette force de compassion, cette force qui fait qu'on va au-devant des autres et qu'on veut avancer soi-même. Et j'ai vraiment l'impression que les gens viennent à Sahaja Yoga pour leur petit bénéfice personnel et qu'ils n'ont pas cette compassion. Pensez à tous les gens, qui prennent des drogues et qui ont besoin de s'en sortir. Pensez à tout ce qu'il y a à résoudre comme problème. Ici, c'est l'enfer. And you have to be much more stronger, much more working, much more fighting, because this is the hell. Il faut que vous soyez d'autant plus fort, que vous battiez d'autant plus, que vous soyez d'autant plus solide,
Parce que c'est l'enfer. I have said this before many a times. Because Maria asked me, why do you come? 5 times I came in the first year. I said, because this is a hell. I have to work it out here, in Paris. Et je l'ai dit déjà souvent. On m'a demandé avant pourquoi j'étais venue si souvent la première année. Je suis venue 5 fois la première année. Et j'ai dit, mais c'est parce que ici, c'est l'enfer et que c'est ici qu'il faut résoudre le problème. I didn't marry you to form a nucleus or a group like that, but that you will strengthen on your muladhara, that you will work harder, that you will fight better with a power. Je ne vous ai pas marié pour que vous fassiez des petits groupes confortables, mais pour que votre muladhara soit plus fort et pour que vous soyez plus apte à vous battre et à lutter. In India, in the history, we have women who used to send their husbands with the blood on their forehead, saying that you are not going to come back defeated. En Inde, il y avait des femmes quand leur mari partait à la bataille qui mettaient le poing sur le front avec leur propre sang sur le front de leur mari et qui leur disaient, ne reviens pas si tu es battu. Such characters that one day I will tell you about them, how they made their men so great. Il y a des femmes en Inde qui avaient un tel caractère qu'elles rendaient leurs hommes grands. This is what it is. The French women themselves have brought this womanish type of a cultural development in France. I tell you, it's a very womanish type, the dainty darlings of men. Et ce sont les femmes qui ont amené ce développement d'une société où les gens sont si délicats et si fragiles. Now you be brave and we fight it out. I'm sure you will one day create a new world in France if you really decide today and take a vow in your heart. That we will do. In fact, there's no need to have education or anything very great about it. Only thing you must take a vow and have that desire foremost before you. Soyez brave. Il faut que vous soyez brave et que vous luttiez jusqu'à la victoire. De façon à ce que, ici même, les choses soient totalement changées. With your decision, with your foresight behavior, with your character, I'm sure you will establish that. C'est une promesse solennelle qu'il faut que vous fassiez, que les choses, que l'évolution arrivera, et c'est faisable. C'est quelque chose qui vient. You are on the war path, you cannot be casual. You cannot be just laughing, smiling, talking. This is not the thing. You have to be serious about it. Vous êtes sur le sentier de la guerre. Ça n'est pas quelque chose que vous pouvez aborder en riant et en prenant ça à la légère. C'est quelque chose de sérieux. Il faut que vous ayez une vision. Thank you. À la légère. C'est qu'il faut que vous ayez une attitude vous-même sérieuse. So I'm sorry for the first day I've come here to tell you this, but I would like to see some results in Bombay. We are working out something to Ambol also. But before then there should be some presentation of people